Bienvenue, mon prince. Chef. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gardes ne sont pas à leur poste? Tout le monde est parti au château d'Adani pour célébrer son règne. Attends. reviens. Sois plus clair. Tu veux dire? Père, mère, tout le monde, toute la famille royale est allée honorer Dany le jour de mon retour? Oui, mon prince. En effet, ils m'ont laissé derrière pour que je puisse vous y conduire. Hein? S'il vous plaît, mon prince, allons-y. Où est mon fils? Votre Majesté, il s'est résigné à venir avec moi. Pourquoi? Pourquoi? Je te salue, mon frère. Frérot, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, père voudrait te voir. Ne me dis pas que c'est le business qui t'a empêché d'être témoin de ce qui s'est passé au palais d'Adani. Et Boubé, si ce n'est le business, alors quoi d'autre? Mon ami, tu as raté. Chai, j'aurais aimé que tu sois là. Oh, c'était la totale du jamais vu. Ne me dis pas que tu as loupé ça, hein? S'il te plaît, ne me dis pas. Désolée de te décevoir, mais je l'ai loupé. Oui, je l'ai loupé. Est-ce que cette cérémonie m'aurait mis de quoi manger sur la table? Tu choisis. Le business ou la cérémonie, qu'est-ce qui est mieux? Comme tu peux le voir, j'ai choisi le business. J'ai choisi le business parce que aujourd'hui s'est avéré être le jour le plus chanceux de ma vie. Hey! Je suis tellement contente d'avoir pris la décision de ne pas assister à cette cérémonie. Sinon, la façon dont j'allais regretter. Jinachu, je suis sûre que tu es une folle allée. Tu adores te priver des choses qui peuvent éveiller ton esprit et te rendre heureuse. Et Boubé, la seule chose qui puisse me rendre heureuse là maintenant, c'est plus d'argent pour subvenir à tous mes besoins et désirs. C'est tout.
C'est ta vie, c'est ton choix. Dieu merci, tu le sais. En passant, tu t'es fait tout cet argent aujourd'hui, ainsi que tous ces biens. Abacha. Achaba. Je crois que je vais finir par rejoindre le business. Sans souci, il y a de la place pour toi. Tu vas m'apprendre, n'est-ce pas? Mais tu vas me payer. Je vais te payer après tout cet argent que je vois là. S'il te plaît, je te l'ai dit. J'aime trop l'argent. Aujourd'hui était le jour le plus chanceux de ma vie. Regarde, et tu voulais que j'assiste à une cérémonie. Que pouvaient bien être ces raisons pour ne pas assister à la cérémonie? Attendons juste qu'il vienne lui-même nous expliquer. Alors nous saurons ses raisons. Tu en as vraiment mis du temps. Il a refusé de me parler. Ah ah. Il ne t'a pas parlé? Oui, mère. Je suis même restée pendant un moment. Je lui parlais, mais il faisait semblant de ne pas m'écouter, alors que si. C'est bon. Je lui parlerai moi-même, et je saurai quelles sont ses raisons. Fiston? Fiston, c'est quoi le problème? Ne reste pas vieux comme si tu ne m'avais pas vu. Tu as refusé de descendre pour honorer à mon appel. J'ai grimpé les escaliers et je suis là. Et tu es toujours silencieux. Édiqué, ne prends surtout pas ton père le roi pour un idiot. Tu as réuni toutes les collines de Vitani pour honorer la cérémonie d'une femme qui est pour toi plus importante que ton propre fils que tu n'as pas vu depuis longtemps et qui a été à l'étranger pour 8 ans le jour de son retour. Donc, père, recevoir quelques embrassades de sa famille n'aurait pas été des sacrifices aussi importants, n'est-ce pas? Nous avons vraiment eu tort. Nous ne pouvions pas non plus manquer à cette cérémonie.
Tu sais, parfois nous faisons mal en essayant de donner le meilleur de nous. Et c'est en ce moment que les excuses appropriées viennent. Il connaît très bien la position d'Adani et d'Ifadani. En tant que le prochain roi traditionnel des Fidani, il doit être capable de comprendre. Parce que dans l'avenir, il pourrait se retrouver dans une pareille situation. Peut-être qu'il ne le sait pas. Et c'est là que les explications appropriées entrent en jeu. Il a tous les droits d'être contrarié s'il n'est pas traité comme il se doit. Sérieusement, personne n'aimerait être déçu. Tu as raison, ma reine. Laissons-le un peu se reposer. Je lui parlerai demain. Merci, mon roi. Est-ce que tu peux imaginer? Est-ce que tu peux imaginer la disgrâce? La gêne dans laquelle j'étais? Est-ce que tu peux imaginer les moqueries? Tu sais quoi? Je t'appelle plus tard. Fiston, j'aimerais m'entretenir avec toi. Achetez votre abacha! Abacha moins cher! Achetez votre abacha! Achetez votre madame, abacha! Hé! Hey. Je vais bien. Madame, je vous ai tellement cherché, mais je ne vous voyais plus. Combien coûte le plat d'abacha? Comme d'habitude, 300 avec du poisson. Oui, et donnez-moi 250 celui avec du poisson, celui avec du poisson. Ok. Ewo. Que c'est frais! Ah, ajoute encore un peu, non? Avec tout ce que j'ai déjà mis là, je vais essayer. Oui, mets de l'oignon. Juste un peu. Un peu? Oui, juste un peu. Et le poisson? Oui, un poisson. Ne trempe pas. Oui. Voilà. Ok. Hey. Désolée, oh. Merci. Laisse-moi le tenir pour toi, laisse-moi le tenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laisse-moi te donner ton argent. Merci. Merci. On se reverra demain. D'accord.
Cela fait déjà longtemps. Je voudrais juste que tu ressentes à nouveau le bien-être de cet environnement. À mon humble avis, rien ici n'a changé. Oui. Ainsi que les traditions. Sauf que lorsque tu les manques pendant quelque temps, cela produit des ressentis particuliers et de l'incompréhension. Et de quel type de tradition parle-t-on ici? Le type et le genre qui te feront abandonner le retour de ton fils. De la même façon que j'ai agi hier. Ok. Quand je serai roi, et même avant que je ne devienne roi, je ne manquerai jamais de respect à mon fils de cette manière. Je prie les dieux pour que je ne te retrouve jamais dans une telle situation. Je sais que ça n'arrivera jamais, parce que je ne vois pas la cérémonie qui me ferait à moi ignorer l'arrivée de mon propre fils. Adani est la première indigène de Defidani et la plus honorée des femmes. Si je t'ai bien compris. Oh oui. Attends, écoute. ne me dis pas que tu es actuellement soumis avec toute la maison royale. Je veux dire, tout le monde, y compris toi-même, à Adani. La tradition faisait de cela une obligation. Nous devions tous être présents. Et puis quoi? Lorsque j'arriverai là, tu le sauras. On y va. Ah, et Bobé. Oui, papa. Je sais que tu veux que je te parle d'Adané. Oui, papa, dis-moi. Tu sais, la position d'Adané est celle-là même qui est occupée par quelqu'un du sang de la famille royale. Une fois, ceci après tous les deux siècles. Sang royal? Ouais. Quelles sont les conditions requises pour choisir Adanis, papa? Eh bien, nous sommes la lignée royale de la famille des Fidané. Le grand prêtre choisira la personne élue de cette lignée, ceci sous la direction des dieux. Et lorsque la personne est choisie, elle détient beaucoup de pouvoir et d'autorité que le roi doit lui rendre compte. Papa, toute cette histoire est déroutante. D'après les bouquins que j'ai lus, les rois sont les plus importants dans leur royaume. Pourquoi le nôtre est-il différent? Tu as raison, ma fille. La culture Igbo est traditionnellement pareille, mais avec juste une légère différence, comme dans notre cas. La vérité dans cette histoire, c'est que la position d'Adané la rend très puissante. Sais-tu que lorsqu'Adané a été choisie, elle a célébré le festival. Mmh. Oui. Le grand prêtre est entièrement sous ses ordres. Et le roi est allé visiter son palais afin d'avoir son consentement sur chaque décision qui sera prise dans le royaume. Ah, papa, ça limite sa suprématie. Tu as raison, ma chère, tu as raison, mais le nôtre est-il un système monarchique? C'est un peu comme en Grande-Bretagne où la reine est suprême. Adan est juif maintenant de plus d'autorité. Papa, tu as dit quelque chose à propos du sang royal. Qu'est-ce que c'est? Ma fille, il y a tellement à dire au sujet d'Adané. Je ne te donnerai pas tous les détails maintenant. Papa, s'il te plaît, non? Ne t'inquiète pas, tu peux apporter ma nourriture. Ok, papa. D'accord. Alors, c'est uniquement ça. Et ça n'a aucun sens. Tout ceci est déplacé. Avec tout le respect, père, celui qui a créé cette loi a créé une loi nuisible pour tous. Foutaise!
Tu te fais insulter. Fiston, je te raconte cette histoire depuis plusieurs années de cela maintenant. Pourquoi réagir comme si c'était ta première fois d'entendre ceci? Parce que j'ai suffisamment grandi pour savoir quelle insulte nous est faite. Père, ouvre tes yeux. Tu te fais mépriser. Ton trône est piétiné. Regarde les choses en face. Tout ceci ne ressemble à rien d'autre qu'un morceau de papier. On parle de quoi ici? Nous sommes la famille royale. Et nous devons avoir le pouvoir suprême, je le répète, le pouvoir suprême dans cette terre. Et non une jeune femme assise sur un trône inutile comme Adani. Pèse tes mots. Pèse très bien tes mots. Nous sommes à l'extérieur. Et bien évidemment, tu sais que les murs ont des oreilles. Mais je m'en fous. Laisse-les écouter, je m'en fous. Père, aujourd'hui t'es roi. Mais un jour, je gouvernerai Vitani en tant que roi. En tant que suprême leader. Suprême régulateur. Suprême gardien. Et le seul de nos cultures et de nos traditions. Non pas une jeune fille assise sur le trône. Arrête ça. Aurais-tu le courage de contester ce que je dis? Ils vont écouter. Ils vont m'entendre parler. Ils vont écouter mon plaidoyer. S'ils ne voulaient pas de roi, ils auraient dû le faire savoir à tout le peuple. Et non pas prendre des gens et les faire asseoir sur un trône pour qu'ils aient l'air des mannequins pilotés. Mon fils, ceci est une ancienne tradition, établie bien avant nous par nos pères et nos ancêtres. Et toi, tu ne peux absolument rien y faire. Attendons voir mon règne. Alors, les dieux et ce palais verront. Argali, le dieu de justice et de paix. Le dieu qui sonde les cœurs de tous les hommes. Le dieu qui n'échoue jamais. Peu importe ce que nous te demandons, tu es là pour nous le donner. Et nous t'adorons. Tu as été le dieu de nos ancêtres. Et nous ne te laisserons jamais. Nous s'aimons et nous récoltons de toi. Nous sommes heureux de t'avoir. Je suis désolé d'interrompre la conversation entre les dieux et son porte-parole. Tu es venu tel que les dieux t'ont conduit. Et je l'avais pressenti. Longue vie aux dieux pour l'éternité. Comme ils sont depuis toujours. La chauve-souris ne se balade pas en journée sans raison. Que me vaut cette visite? Elle demande votre présence tout de suite. Je serai là avant qu'elle ne cligne des yeux. Je lui remettrai le message. Allez, vas-y, et sois soumis. Comme celle de qui tu viens. Ici. Comme tu l'as dit, ainsi soit-il. Entrez. Salutations, mon prince. Oui, je t'écoute. Le repas est servi. J'arrive dans quelques minutes. Merci, mon prince. Tu sembles ne pas apprécier le repas. Pas vraiment. Pourquoi? Ce n'est pas bon. C'est pas vraiment... Bref, la bouffe est bonne, ok? Mais ça, c'est pas vraiment ce que je veux manger. Alors, que veux-tu manger? J'en ai un peu marre du riz.
J'en mangeais tout le temps à l'étranger et j'en ai un peu marre. J'ai envie de quelque chose de plus proche, de plus traditionnel. Pas du riz. Ah. Votre arrivée est bénie, porte-parole des dieux de nos terres. Oui, parce que les riches et les pauvres jouissent de la volonté d'Amadi. Je ne comprends pas. Est-ce le fait que le repas ne soit pas délicieux ou alors que... Que s'est-il passé? Pour moi, le repas était très bon. Il a dit que... Il ne voudrait pas manger le riz une fois de plus. Il a besoin de quelque chose de plus local. Quelque chose de local comme... Il n'a pas été spécifique sur un repas en particulier. Non, il ne l'a pas fait, mais... Mais je crois qu'il voudrait quelque chose du genre... igname grillé. De la viande de brousse. Du plantain grillé. Et du vin de palme. Mais ça, ce n'est pas un problème. Salutations, Votre Majesté. Oh, salutations, Onyema. Qu'est-ce qu'il y a? Votre Majesté, Ezedibia demande à vous voir. Ezedibia? Ah, ok. Fais-le entrer dans la salle royale. Il a dit de ne pas vouloir entrer à l'intérieur. Il ne veut pas entrer? Ok, ok. J'arrive. D'accord, Votre Majesté. Ezedibia, pourquoi as-tu refusé d'entrer? Parce que les dieux sont en colère. Quelle pourrait être la raison? Quelqu'un a-t-il commis une atrocité ou une abomination pour mettre les dieux en colère? La famille royale. La famille royale? Qu'a fait la famille royale d'aussi grave pour autant irriter les dieux? Lorsqu'un enfant refuse de répondre à l'appel et se cache, alors il y a un problème. Quiconque est admiré ne peut se vêtir de haillons. Qui est cet homme aussi admirable dans cette famille royale vêtue d'haillons? Le prince. Mon fils? Oui. Qu'a-t-il fait? La question doit être, que n'a-t-il pas fait? Ezedibia, je suis vraiment confus. Je demande à me retirer. Lorsqu'un homme refuse d'entendre les pleurs d'un enfant qui crie à l'aide, alors celui-ci est un homme sans cœur. Chérie, écoute-moi, je ne vais pas te faire de mal. Pourquoi me suivez-vous comme une mouche? Parce que j'ai besoin de ton attention. Ok, vous l'avez. Que voulez-vous me dire?
Mon nom est Ibuke Onyema. Ne vous en faites pas. La prochaine fois que je vous verrai, je m'assurerai de vous appeler par votre nom. Puis-je m'en aller maintenant? Qu'en est-il de vous? Vous n'avez pas de nom? Je n'ai pas de nom. Vous savez que cela n'est pas possible. Mon frère, peu importe où vous me verrez, appelez-moi vendeuse d'Abacha. Je vous répondrai. Oh? Mais c'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il voulait? Les dieux sont en colère parce que tu as refusé de remplir les obligations nécessaires. Qui sont? La visite chez Adani pour recevoir des bénédictions après ton retour dans ce royaume. Ce sera sur mon cadavre. Viens-tu à l'instant de dire que Dieu t'en garde? T'as bien entendu, ils béniront mon cadavre. Je suis la royauté. Je ne sais pas qui elle est. Et donc, si quelqu'un devrait se déplacer, c'est elle qui devrait venir vers moi et non pas le contraire. Mais pour qui elle se prend? Elle a un nom? Mon fils, elle, c'est Adani. Elle aussi, son sang est de lignée royale. Et je suis le prince Ejike, le prochain roi de Ifitani. Et je ne m'inclinerai pas devant une quelconque déesse féminine. Père, si tu as déshonoré, réduit et manqué de respect à ton autorité devant elle, retiens que je ne serai pas comme toi. Ejike, mon fils, je t'en prie, ne commence pas quelque chose que tu ne pourras pas terminer. Une chose que tu dois savoir à propos de moi, père, c'est que je suis une locomotive qui ne sait pas s'arrêter. Quand je veux quelque chose, je ne m'arrête pas. Et ce prochain roi, nommé Ejike, ne peut absolument pas perdre sa tête. Ejike! Ejike! J'ai été très heureuse de le voir l'autre jour. Je te jure sur mes ancêtres, ce jeune homme est tellement beau et charmant. Vraiment? Je t'assure, dès la seconde que j'ai posé mes yeux sur lui, je n'ai pas pu m'empêcher de m'imaginer dans ses bras. Ouh, quelle imagination débordante. Maintenant, reviens à la réalité avant de te perdre dans tes pensées. Et que veux-tu dire par là? Et Boubé, tu ferais mieux de porter des chaussures à ta pointure. Et non faire des vœux impossibles. Alors, tu penses que je ne mérite pas le prince, n'est-ce pas? Eh bien, c'est toi qui vois. Tu n'as pas besoin d'être jalouse. Mère, je suis d'accord avec Ejike. Sais-tu vraiment de quoi il est question? La vérité. La vérité que personne n'ose avouer. Très bien, ma chère fille. As-tu pris le temps de savoir pourquoi est-ce que personne ne parle de cela? Probablement pour leur propre intérêt. Il est grand temps que quelqu'un parle. Et les seules personnes à mesure de le faire sont ceux qui sont le plus touchés, c'est-à-dire nous. Laisse-moi te donner une leçon, ma chérie. Ok. Les gens ne veulent pas en parler parce que personne ne veut être en guerre avec les dieux. Mais personne ne veut lutter contre les dieux. Il essaie juste de rétablir la justice faite dans ce village. Alors, puisque tu es la privilégiée, tu dois l'empêcher de faire tout ce qu'il a planifié dans sa tête. Tout ce qu'il en fait par le passé n'a pas une fin heureuse. Cela ne se terminera pas bien. Mère, je pense qu'il est grand temps que quelqu'un fasse quelque chose. Et c'est ce qu'il essaye de faire.
Mon prince, vous avez demandé à me voir. Ah, effectivement. Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux me trouver de la salade africaine? Eh bien, je crois pouvoir le trouver au marché d'Afo. Très bien. Va dans ma chambre, dans le placard de droite. Il y a de l'argent. Prends quelques billets et apporte-moi ça, s'il te plaît. Et merci de faire semblant d'ignorer chaque pièce de dollar que tu trouveras là. Merci. De cœur, mon prince. Merci. Salutations, Votre Majesté. Bienvenue, ma reine. J'ai cru entendre que vous avez fait appel à moi. Oui, tout à fait. D'accord. C'est à propos de ton fils. Il refuse de rendre hommage à Dany, c'est ça? Oui. Je t'en prie. Tu dois lui parler. Il doit faire tout ce qui est nécessaire afin de ne pas attirer la colère des dieux. Je lui en ai parlé, mais il s'obstine à n'en faire qu'à sa tête. J'en ai fait pareil. Oh, tu l'as fait. Oui, mon roi. Mais à sa réponse, je crois qu'il ne lâchera pas l'affaire. Pourquoi est-ce que ce garçon s'obstine à apporter de la calamité dans cette famille et dans tout ce royaume? Où est-ce que tu vas?
Je vais demander aux servantes de dresser la table. Mais non, 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 s'il te plaît, apporte ça ici. Les repas africains doivent être servis à la manière africaine. Apporte. Ouais, s'il te plaît. Non, 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 te dérange pas. Ouais, pose ça là. Voilà, c'est super. Merci. De rien. Peuple de mon village, écoutez la voix des dieux! Quand un enfant ne sait pas ce qui a tué son père, il devient automatiquement la victime de ce qui a tué son père. Je vais vous le redire. Ouvrez grand vos oreilles, écoutez. Oui. Quand un enfant ne sait pas ce qui a tué son père, il devient automatiquement la victime de ce qui a tué son père. Mes salutations, Ezedibia. Ezedibia, nous te saluons. Je vous salue, ancien des Fidani. Quiconque a une maison en feu ne va pas à la chasse. Ezedibia, pouvez-vous être plus clair afin que nous puissions décoder votre message? Nous voulons comprendre ce que vous dites. Exactement. Il n'y a qu'un homme fou qu'après avoir mangé à son aise, confronte son maître dans une guerre. Dites au roi qu'il n'y a plus assez de temps. Avant que la colère d'Adani n'éveille la fureur des dieux des Fidani, la pluie est sur le point de tomber. N'est-ce pas la même pluie qui nécessite un parapluie et des abris? Et quand elle tombera, dites au roi et Fidani sera effacé de la carte. Mais de quoi parle-t-il? Je ne sais pas. Nous venons tous les deux d'écouter le même message. Peut-être que nous devrions rapporter ses propos au roi. Peut-être que le roi le comprendra. Dans ce cas, je crois que je dois retourner voir le roi immédiatement, avant de rentrer chez moi. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Hey. Il a dit qu'il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus assez de temps. Tu as raison, s'il te plaît. Allez, vas-y. Hey. Surtout, dépêche-toi. Très bien. Tu ferais mieux de le rapporter au roi, immédiatement. Toc, toc, toc. Chinatu? 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 Mon prince? Hein? J'espère que vous appréciez votre salade africaine. En fait, je suis un peu déçu de ce que tu m'as donné là, parce que c'est un peu en dessous de ce que j'imaginais, donc je sais que ça peut être mieux, parce que là, je sais que j'en avais envie, mais là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Alors, cette salade n'est pas bonne? Non, je dis juste qu'il manque quelque chose dans le goût. Un truc. Mon prince, la salade africaine est unique. L'une des choses qui la rend différente des autres est sa saveur, ce qui dépend de la personne qui l'a cuisinée. Ouais, je sais. Ne vous inquiétez pas, j'essayerai d'acheter chez quelqu'un d'autre prochainement. Ok, j'ai compris. Ah, tu sais quoi? Vas-y, tu peux le prendre. Je suis désolé, mon prince. Oh, ça va, ça va. J'essayerai d'avoir mieux la prochaine fois. Vas-y. D'accord, merci, mon prince. Oui, s'il te plaît, la prochaine fois... Trouve quelqu'un qui fait mieux que ça. Je le ferai, mon prince. Ouais, une bonne sauce. Il a dit qu'il n'y a plus assez de temps. Il a également mentionné la colère de Adani et des dieux. Honoru. Votre Majesté. Le prince a refusé de rendre hommage à Adani comme le veulent les dieux. Pourquoi? Quelles sont ses raisons? Seulement des bêtises. En fait, il estime que c'est Adani qui devrait lui rendre hommage parce qu'il est de la royauté. A-t-il perdu la tête?
Je lui ai posé la même question. Ne lui avez-vous pas expliqué l'importance de Adani dans ce village? Oh non, je l'ai fait. Mais il semblerait que je me suis adressé à un sourd. Le prince s'amuse avec le feu. Que faites-vous ici? Tu es de retour. Mm-mm. Je ne le suis pas. Que faites-vous ici? Je suis désolé. Comment se portent les affaires aujourd'hui? Vous n'avez pas répondu à ma question. Que faites-vous ici? Tinito, je suis là pour te voir. Pour quoi faire? Peux-tu juste me prêter ton oreille pour écouter? Depuis combien de temps êtes-vous ici? Je viens juste d'arriver. Très bien. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi me détestes-tu avec autant d'énergie? Que Dieu me garde de haïr mon prochain qui ne m'a rien fait du tout. Alors pourquoi m'évites-tu? Parce que vous me dérangez. Ok. Je suis désolé si tu vois les choses de cette façon. Mais je ne te veux aucun mal, bien au contraire. Qu'est-ce qu'il y a? Ebuka, qu'est-ce que vous attendez de moi? Kinetu, je te veux, toi. Oui, je t'aime plus que tout, tu ne le vois pas. Oui, je t'aime énormément. Écoutez, mon prince, la tradition lui a vraiment donné beaucoup de pouvoir. En quoi est-ce que ça me concerne? J'ai rien à faire avec ça. Rien du tout. Si la tradition avait un si grand pouvoir, pourquoi est-ce que les hommes ont réglementé les traditions et les cultures des gens qui vivent sur le territoire? À moins que je sois idiot, mais eux, ils étaient des gens assez intelligents. Oui. Je sais ce que c'est que la royauté. Je la comprends et j'ai lu énormément là-dessus. Écoute-moi bien. Le roi est en clair le seul gardien des cultures et des traditions. Je le dis encore, le roi est le seul gardien de la mémoire des cultures et des traditions de tout son peuple. Et personne d'autre. Je ne veux pas savoir quel pouvoir lui a été donné. C'est pas mon problème. Et je n'ai rien à voir avec elle. J'ai aucun lien avec ça. Voyez-vous, mon prince, vous ne comprenez pas. Sa colère, tel un feu dévorant. Un feu ardent. En fait, votre décision pourrait pousser la colère des dieux sur nous. Alors j'attends la colère. Qu'elle vienne donc. J'attends. Mon prince. Oui. Quiconque vit dans une maison en verre, ne jetez pas de pierre. Ne jetez pas de pierre, s'il vous plaît. Oh non. Oui. Tout dépend vers qui les pierres sont lancées. Réveille-toi. Et je ne joue pas à ça. Je ne joue pas à ça. Je viens de la part du roi. Pour faire quoi? Pour s'excuser. Onowu, si le roi veut s'excuser, il devrait le faire lui-même. Oui, ça il le sait, mais... Va-t'en.
Je comprends ton agitation. Et je suis de ton côté, mais... Il n'y a pas de mais ici. Pas de mais. Pas de mais. Cela tient. Comment t'attends-tu à ce que les gens te suivent pour quelque chose que tu as décidé toi-même? Tu devrais tout d'abord les convaincre. De quelles autres conditions ont-ils besoin? Je te demande, de quelles autres convictions ont-ils besoin pour savoir que leurs traditions ont inévitablement donné trop de pouvoir à cette femme, faisant de notre père une moquerie, un roi pantin? Notre père est supposé être le suprême leader, le suprême gardien de nos cultures et de nos traditions ici, et non pas quelqu'un d'autre. Si tu ne comprends pas ça, la royauté et tout le pouvoir royal deviennent nuls. Nous devenons ordinaires, nous devenons rien. Nous devenons rien d'autre que des écrits sur du papier. Bien, je ne suis pas là pour te faire changer d'avis. Juste que tu devrais comprendre dans quoi est-ce que tu vas entraîner cette famille. Moi, j'attends que la colère des dieux s'abatte. Et comme vous tous avez accepté de vous faire manipuler, jamais je ne me laisserai manipuler. Jamais. Éduqué. J'en ai terminé. Onowu. Votre Majesté. Lui as-tu fermement expliqué quelles sont mes raisons? Elle ne m'a même pas laissé parler. Votre Majesté l'a insisté pour que je vous rapporte exactement ses propos. Quelle femme maigrée! Comment a-t-elle pu être si inconsidérable? Votre Majesté, je vous en supplie, ne parlez pas en mal d'Adani. C'est un tabou, rappelez-vous. Je vais m'en aller à présent. Oh, s'il te plaît, prends un verre. Ça ne sera pas nécessaire, Votre Majesté, prochainement. Votre Majesté. Comme j'aurais voulu que cette situation soit enrichissante. Ne me demande pas de me calmer. Ne me demande pas ça quand les choses vont de mal en pire. Eh bien, il n'y a rien que tu puisses faire. Oh, il y a tellement de choses que je peux faire. Tellement de choses. Qui ne causera aucune calamité dans ce village? J'ai bien parlé de ça. J'ai crié ceci et personne ne m'a écouté. Personne. Regarde où nous sommes. Nous le voyons tous maintenant. Les pères de la tradition se retournent contre le roi pour en faire une moquerie. Tu vois? Maintenant, peux-tu imaginer un sujet? Parce qu'on l'a appelé Adani, demande à mon père, le roi, de venir en personne s'excuser auprès d'elle. Où est-ce que ça se passe? Oh! Dis-moi où ça se passe! Et qu'est-ce que tu en sais, toi, si cette bonne femme n'a pas demandé à notre père de se prosterner et de l'appeler reine? Ah, t'es étonné? Ok. Allons plus loin. Cette femme et père se concertent en privé et personnellement. Est-ce que tu sais ce qui peut se passer? Est-ce que tu sais? Méfiance. Vous devez bien savoir que c'est un gamin. Assez grand pour être un roi. Je sais. Je sais, mais je vous en prie, pardonnez-lui. Donnez-lui du temps. S'il vous plaît, étendez votre période de grâce, s'il vous plaît. Pourquoi accorderais-je miséricorde à un garçon qui ne m'a montré rien d'autre que du mépris? Il ne l'a pas fait. Il est juste conduit en ce moment par la folie de la jeunesse. Dites-lui de faire le nécessaire. Il doit faire le nécessaire. Sinon, cette terre
va ressentir la colère d'Adani. Pas dit que tu venais. Devrais-je prendre la permission pour rendre visite à ma femme? Ah, ce n'est pas ce que j'ai dit. Juste que c'est l'heure des affaires et je n'aurai pas assez de temps pour parler avec toi. Ok. Malheureusement, je ne suis pas là pour discuter avec toi. Alors pourquoi es-tu ici? Pour te venir en aide. Alors? Je vous salue, mon prince. Bonjour. Est-ce que ce n'est pas Tizi Bemwandi? C'est exact, c'est exact. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Ça fait longtemps. Oui, tout à fait. J'avais voyagé hors du pays. Et à mon retour, j'ai été informé que vous êtes dans la ville. Ah, t'as bien fait, t'as bien fait. Merci. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène au palais? Bien, je suis venu voir votre sœur. La princesse. T'es venu voir ma sœur? Oui. Ma sœur. J'hume la ruine. J'hume la calamité. Oh non, de quoi est-ce que tu parles? Je peux ressentir la colère des dieux. Se rapprocher petit à petit. Oh non, tu me fais peur. Et notre prince refuse de rendre hommage à Adane. Et il n'est pas prêt à changer d'avis. Hey. C'est ça le problème. Hey. Et qu'est-ce qu'Adani a décidé?
Elle menace la paix de ce royaume. Elle menace la paix du royaume. Hey! Oh no! Le moment est venu où nous, les anciens de ce village, devons entrer en scène. Nous ne pouvons pas croiser les bras et regarder les choses tourner en ruine. Alors, que faisons-nous? Je suggère que nous tenions une réunion entre nous, sans inclure le roi, et prendre une décision. Nous devons faire quelque chose dans l'intérêt de ce royaume. Je pense que cela est une bonne idée. Je pense que tu as raison. Oui, cela est une très bonne idée. Une très bonne idée. Je vous sers comment? J'aimerais tout le plat, d'accord? Avec du poisson, de la peau de bœuf, de l'ogois. Ok. Et vous irez ajouter du otazé. Avec de l'oignon? Oui, oui. D'accord. Écoutez, s'il vous plaît, faites un bon mélange et je voudrais que ce soit savoureux. Sans souci, monsieur. Hé, hey, sans souci, monsieur, il va aimer. Il va vraiment aimer. Je le mets dans une thermos. Ok. Ne vous en faites pas, il va aimer. S'il vous plaît, tenez ceci. Tu peux rajouter de la peau de bœuf et du poisson. Sans souci, monsieur. Sans souci. Hey. Ça, c'est bon. Vieille femme, pourquoi me barrez-vous le chemin? Biko, aide-moi, mon fils. Aide-moi.
Vous êtes vraiment stupide. Aide-moi. Vous êtes vraiment stupide de m'appeler votre fils. Vous pouvez accoucher un homme comme moi. Je suis désolée. Pardon, allez, ramasse ces choses et dégagez de mon chemin. Aide-moi, s'il te plaît. Je vous demande de quitter sur mon chemin et vous... Et Bouka ! Bébé ! Bébé, parle-moi. Depuis que nous sommes là, tu n'as pas dit un seul mot. Je t'en prie. Bébé, s'il te plaît, ton silence me détruit. Tu sais combien je valorise ta voix. Je t'en prie, parle-moi. Mon amour. Ma chérie. Mon amour. N'est-ce pas éduqué, Chinatu? Non, je crois que mes yeux me trompent. Quoi? C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que le prince a terminé mon repas? Hein? Je pensais que ça resterait comme l'autre fois. Au contraire, il a tout fini. Il a même léché le thermos. Oh. C'est pas vrai. Au point de lécher le thermos? Oh. Et j'ai fait moi un chien venant débarrasser ce qu'il a terminé. De toute façon, je laisse ça là. Les ménagères viendront récupérer. Bébé, parle-moi. Qu'ai-je fait de mal? Tu ne sais vraiment pas ce que tu as fait de mal? Je ne sais pas, c'est exactement pour cette raison que je te le demande. Écoute, les choses parmi lesquelles je déteste le plus sont l'orgueil et le manque de respect. Et tu as les deux. Écoute, je suis désolée de dire ceci, mais tu vois cette relation? Je crois que ça n'ira nulle part. Ok? Mais, bébé, attends. Attendre quoi? Je t'en prie. Je peux changer. En fait, pourquoi est-ce que tu aimais mon colère? Osioma, je te cherchais. J'espère que tout va bien. Si tu vois une autre femme avec un homme Ebuka, eh bien, si tu vois cela comme si tout va bien, alors tout va bien. Je ne vois pas de quoi tu parles. Attends, j'ai vu Ebuka et Chinatu dans sa voiture. Comment te dire ceci? S'embrasser, s'amouracher, des choses dont je ne pourrais même pas te dire. Tu aurais dû les voir. Non, je sais que tu rigoles. Attends, je te dis ce que j'ai vu de mes propres yeux. Et toi, tu t'en vas. Attends, cette Chinatu? Cette idiote avec mon homme? Je te dis la vérité, je ne peux pas te faire un poisson d'avril en novembre. Je te dis ce que j'ai vu. Ok, pas de souci, je retourne d'abord à la maison. Laisse-moi me préparer, je vais donner une bonne leçon à cette fille. Mais attends, s'il te plaît, ne lui dis pas que c'est moi. S'il te plaît, ne mentionne même pas mon nom. Tout ce que je sais, c'est que je les ai vus avec mes deux yeux. Pas de souci. Je vais me préparer, je vais lui donner une bonne leçon. Souviens-toi, alors, je t'ai rien dit. Hey! Cette fille, en tout cas, elle va m'entendre. Hey! Mmh. Mmh.
importe où t'as eu ça, n'arrête pas d'acheter ça là-bas. Prends toujours chez elle. Waouh. Mon prince, je vois que vous vous êtes régalé de ce repas. Ah oui, j'ai aimé. Ça m'a fait encore aimer ce village encore plus. Waouh. Ah non. Vous avez vidé le thermos. Et vous n'avez même rien laissé pour moi. Ah non. Cette fois-ci, j'ai vraiment été gourmand. Et j'en voulais plus, tu vois. Ne vous en faites pas. Je vais me rassurer de toujours acheter au même endroit. Bien. Et demain aussi. Mon prince, désirez-vous autre chose? Comme quoi? Quand il s'agira de ça, je te dirai, ok? D'accord, mon prince. Chinato, pourquoi me faire attendre de la sorte? Je frappe depuis un moment déjà. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu dire par qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi es-tu ici? Chinato, nous sommes en couple ou je me trompe? C'était avant. Comment peux-tu dire avant? Écoute, Ebuka, j'ai besoin de temps. J'ai vraiment besoin de temps pour penser à toute cette histoire. Alors je te prie de me laisser en paix. Chinato, attends. S'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît, va-t'en. Oh, ma princesse. Viens là. Alors, où est-ce que tu m'amènes? Un bel endroit. Qui te fera plaisir. Waouh. Et j'ai une surprise pour toi aujourd'hui. Une surprise? Tu sais que j'aime beaucoup ça. Oui, et c'est pourquoi je vais t'en faire une. Alors, on y va? Bien sûr. Viens, on y va.
Donc c'est vrai. Hein? Pas de souci, on va voir ça. Chinatu. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ici? Où est cette sorcière qui voudrait récolter? Où elle n'a pas semé? Ah! Ozioma! Mais qu'est-ce que toute cette folie veut dire? Oh, tu appelles ça de la folie? Pas de problème. Tu n'as encore rien vu. Si jamais je te revois près de mon fiancé, alors là, tu connaîtras ma véritable folie. S'il te plaît, quel est ce fiancé avec lequel tu penses que je voudrais m'associer? Ok. Comme ça, tu ne connais plus qui est mon fiancé, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, jure sur tes parents que tu as tué, que tu ne savais pas que Ebuka est mon fiancé et que nous sommes ensemble depuis longtemps. Est-ce que tu viens juste de dire que j'ai tué mes parents? Oui, je l'ai dit. Est-ce que je mens? Réponds-moi. Est-ce que je mens? Je m'en fous de ces larmes de crocodile. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus te voir près de mon fiancé. Je ne vais pas me répéter. Tu pleures. Je ne suis pas juste surexcitée. Ça, c'est un rêve qui s'accomplit. Quoi? Partage avec moi. Tada! Ah, ah. Tu t'es fiancée? Oui, maman. Vraiment? Fais-moi voir. Viens là. Waouh! Ceci est une bonne nouvelle. Je suis fière de toi. Il m'a fait sa demande et j'ai dit oui. Je suis contente pour toi. Viens là. Félicitations. Merci, maman. Ceci mérite une célébration. Ça le mérite. Laisse-moi aller chercher les boissons. Ok. Félicitations. Waouh. Eh, Eoube. Attends. Attends. Dieu merci, je t'ai vu. C'est quoi? Y a-t-il un problème? Oui, un très gros. Lequel? Dis à cette chose que tu appelles ami. Chinatu, ou peu importe comment elle s'appelle, dis-lui de laisser mon homme en paix. Parce que si jamais je les revois ensemble, ce village ne va pas nous contenir toutes les deux. Es-tu en train de me dire indirectement que Chinatu court après ton mec? Je ne te le dis pas indirectement. Je te le dis directement qu'elle le fait. Et je ne vais pas la rater si jamais je la revois près de mon homme. Préviens-la. Cette histoire me surprend vraiment beaucoup parce que Chinatu n'est pas du genre à courir après un homme. Oh. Es-tu sûre de ce que tu dis? On ne me l'a pas dit. Je l'ai vu de mes propres yeux. Waouh. Ok, je vais lui demander. Préviens-la juste. Sans souci. Préviens-la juste. Je le ferai. Tu ferais mieux de la prévenir. Elle a dit que tu as tué tes parents? Comment est-ce qu'elle a bien pu te dire une chose pareille? Ignore-t-elle comment tes parents sont morts? S'il te plaît, arrête de pleurer. Je suppose qu'elle l'a dit pour me blesser. Et elle a réussi. Ça va. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu cours après Ebuka? Non. Je ne l'ai jamais fait. Ebuka est celui qui s'est rapproché de moi en vue d'une relation entre nous. Au départ, j'ai refusé. Mais plus tard, j'ai changé d'avis. Et je ne savais pas qu'il avait une petite amie. Il ne me l'a jamais avoué. Je te crois. Je te crois. Mais tu dois le laisser s'en aller. Tu dois laisser Ebuka s'en aller afin de préserver ton image. Je ne voudrais pas qu'Ozioma le fasse pour toi. Ok. Je t'ai entendu. Ça va aller, d'accord? Ça va aller, ok? Arrête de pleurer. Bonjour, Ono. Oui, gardien chef. Comment vas-tu? Je vais bien.
Je reviens de chez vous et votre femme m'a dit que vous êtes à une réunion des anciens. Oui, et puis d'ailleurs, nous avons décidé d'annuler cette réunion. D'accord. Onohu, le roi demande à vous voir. Le roi demande à me voir? Tout à fait. Ok. Je serai au palais plus tard. Hmm? Dis au roi que je viendrai plus tard. Hmm? Ok, Onohu. D'accord? Non. Tinato ne prétend pas de ne pas me voir parce que je sais très bien que tu m'as vu. Ebuka, Ebuka, je te demande de sortir de ma cour immédiatement. Je ne voudrais plus jamais te revoir de ma vie. Tinato, qu'ai-je encore fait de mal? Pourquoi toutes ces injures et ce comportement? Va demander à ta petite amie Ozioma qui est venue ici m'insulter. Écoute, Ebuka, je t'en supplie. Je ne voudrais pas être un sujet de ragot dans la bouche de tout le monde dans ce village. Alors va-t'en de chez moi. Je ne veux pas de problème. Va-t'en. Attends. Tu veux dire qu'Ozioma est venue jusqu'ici? Tu m'as bien entendu. Allez, va-t'en. Ok, Tinato, écoute. Allez, va-t'en. Attends, va-t'en. Pars d'ici. Je vais te frapper avec ce balai. Va-t'en, je ne veux pas t'insulter. C'est bon, c'est bon. C'est bon, je m'en vais. Va-t'en. Tu as une copine et tu viens ici pour me déranger. Alors Ozioma est venue jusqu'ici. Bonjour, mon prince. Bien, garde. Ah, Onohu, bonjour. Oyema. Oyema. Voyez, mon prince. Viens. Mon prince. Oui, c'est une très belle journée et je voudrais marcher un peu. D'accord, mon prince. Aimeriez-vous aller en voiture ou... Comme je l'ai dit, je voudrais marcher. À partir d'ici. Viens avec moi. Je vous suis, mon prince. Votre Majesté, vous m'avez appelé. Oui. La princesse va se marier. Le père de son prétendant était là aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à vous comme la tradition le demande. Je suis désolé, Votre Majesté. Nous, les anciens de Ifitani, n'allons assister à aucune cérémonie dans ce palais. Onohu, pourquoi? Comme point de rappel, Votre Majesté, j'étais de retour de la réunion des anciens lorsque j'ai rencontré Onyema. À cette réunion, nous avons conclu que, jusqu'à ce que le prince fasse le nécessaire, suivant le conseil des anciens, nous boycotterons toute activité dans ce palais. Onohu. Votre Majesté. Onohu, prépares-tu un coup contre mon trône? Votre Majesté, appelez ça comme vous voulez. Mais tout cela est pour le bien d'Ifitani. Je dois m'en aller maintenant. Et cela pourrait être la dernière fois que je rende visite au palais, jusqu'à ce que
le prince n'aille rendre hommage à Adani. Igwe. Oui. Bonjour, mon prince. Oui. Bonjour, belle dame de ce territoire. Bonjour, mon prince. Bonjour, belle dame. Comment ça va? Je vais bien, merci. Très bien, très bien. Waouh. Tu vois, nos filles ici sont très bien éduquées et en plus, elles sont belles. En effet, mon prince. Oui. Elles sont bénies. Le sang béni. Et c'est pourquoi les hommes d'ailleurs viennent ici chercher des épouses. Oui, oui, oui. Il faut très bien gérer ça. Je dois m'y mettre. Oui, c'est exact, mon prince. Oui. Par ici. As-tu entendu ça? Entendu quoi? Es-tu sourde? Le prince a dit que je suis jolie. Et alors? Et Boubé, et alors? En quoi est-ce que cela change quelque chose dans ta vie? Tu es la jalousie? Et il notait l'écriture sur le mur. Je pense que le prince, il m'aime déjà. Et Dieu merci, tu as terminé en disant « je pense ». Parce que ce n'est pas vrai du tout. Le prince que je connais ne laisserait pas les filles de roi, de gouverneur et de sénateur pour s'intéresser à une moins que rien comme toi. Ne m'insulte pas. Et Boubé, je ne suis pas en train de t'insulter. Je ne t'insulte pas. Mais tu viens de m'appeler moins que rien. Je ne suis pas en train de t'insulter. Mais Boubé, n'es-tu pas une moins que rien? Je ne t'en veux pas. N'importe quoi. Mon roi, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, je pourrais certainement te venir en aide. C'est ton fils. Ton fils, parce que c'est ton fils. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'a-t-il fait en vérité depuis son retour? S'agit-il de la visite chez Adani? Ma reine, les anciens ont juré de ne plus mettre un pied dans ce palais jusqu'à ce qu'ils rendent visite à Adani. Waouh! C'est trop sévère. Comment peuvent-ils dire des choses pareilles? Il ne faut pas leur en vouloir. Ils ne font que faire leur devoir.
Ton fils est l'unique problème ici. Bon après-midi. Bienvenue. Pourquoi refuses-tu d'entrer? Pourquoi est-ce que tu as confronté Tinatou? Et pourquoi ne le ferais-je pas? Parce que ce ne sont pas tes affaires. Quiconque veut t'éloigner de moi aura affaire à moi. Cette décision ne te revient pas, mais elle me revient. Non, elle ne te revient pas, mais elle nous revient. Ozioma, tu dois avoir perdu la tête. Peut-être. Ozioma, je t'ai prévenu. Reste loin de Tinatou. Je ne vais pas me répéter, ceci est mon dernier avertissement. Je t'aurais prévenu. Descends de ma voiture. Quoi? Descends de ma voiture. Donc, tu me demandes... J'ai dit descends de ma voiture. Je te demande de descendre de ma voiture et tu es là à me demander. Je sors de ma voiture. Ferme ma portière. Bonsoir, mon roi. Bonsoir à toi. Ouvre-le. Ta décision devient dévastatrice pour le village tout entier. Père, c'est sur le sujet de mon refus de rencontrer Yadani, s'il te plaît, je veux pas en parler. Tu ferais bien d'en parler. Tu dois vraiment le faire, et spécialement maintenant, parce que cela devient un obstacle pour ta sœur et pour son mariage. Hein? Je comprends pas. Bien sûr. En quoi est-ce que mon refus de rencontrer Yadani affecte le mariage de ma sœur? Les anciens ont pris la décision de boycotter toute activité qui se passera dans ce palais. Et tu sais ce que cela veut dire? Que personne ne viendra. Ah. Hey. Donc tu penses pouvoir m'échapper, n'est-ce pas? Tu peux toujours courir. Ozioma, je ne sais pas de quoi tu parles. Après tous mes avertissements, tout ce que tu as pu faire était d'aller voir Ebuka pour qu'il décide de rompre avec moi pour être avec lui, n'est-ce pas? Ozioma, je n'ai pas assez d'énergie pour tout ceci. Je ne sais pas de quoi tu parles, alors laisse-moi partir. Pour partir où? Tu penses que je suis au chômage comme toi? Oh! Comme tu peux le voir, je m'en vais au marché. Ok. Ozioma, tu es sans emploi. Ça m'a l'air très intéressant. Ok. Pas de problème. Tu peux y aller. Ah! Vas-y, quand tu vas aller au marché. Ozioma! Que je suis sans emploi. Ozioma, ça tu voulais partir? Allez, vas-y.
Ce n'est que le début. Et lorsque j'aurai fini avec toi dans ce village, tu comprendras que tu as frappé à la mauvaise porte. Ceci n'est que le commencement. Allez, va au marché, puisque tu le veux. Le prince est l'homme idéal pour moi. Je crois qu'il m'apprécie beaucoup. Que dois-je faire pour gagner son cœur? Que faire pour qu'il tombe amoureux de moi? Dois-je prendre mon courage et l'approcher? Que faire s'il me rejette juste parce que je n'appartiens pas à la haute classe? Hé, hey, Boubé. Papa, tu es de retour? Oui, tu vas bien? Oui, papa, je vais bien. Viens me donner de l'eau. D'accord, papa. Éduqué, armez tout le monde, pour l'amour de Dieu. Fais-le pour moi. Hé, hey, s'il te plaît, arrête ça, arrête ça. Non. Je ne fais allégeance à personne, et ça, c'est ma décision, finale. Même si cela m'affecte, je pensais que tu m'aimais. Bien sûr que si. Je t'aime beaucoup et crois-moi quand je te le dis, je t'aime. Je t'aime, vraiment. C'est faux. Absolument faux. Tout ce qui t'importe, c'est ton orgueil et ton ego. Écoute, ma plus grande préoccupation, ce sont les intérêts de cette famille. Je me soucie énormément du statut de cette famille. Nous sommes la royauté, la famille royale. Intègre-le une fois, nous sommes la famille royale. Et laisse-moi te dire ceci. Notre famille garde les traditions des Fitani. Et maintenant, nous sommes réduits au ridicule. Nous sommes traînés dans les traditions des Fitani. Pourquoi? Éduqué, s'il te plaît. Juste cette fois. Ça ne te tuera pas. Fais-le pour moi pour que je puisse me marier. Si nous devons lutter pour la justice, nous devons lutter pour elle, maintenant. Et non pas regarder qui est affecté aujourd'hui ou demain. Nous devons lutter pour elle maintenant et nous concentrer sur ce que ça va apporter dans le futur. Concentrons-nous. Concentrons-nous. Réfléchis. Regarde-moi. Je suis une femme et le temps passe. Je ne rajeunis pas. Elle m'a dit ce que tu lui as fait hier. Tu es là pour te battre avec moi. Non, mais pour te dire la vérité, fiche-lui la paix. Elle a mis un terme à la relation qu'elle entretenait avec Ebuka. Tu en es vraiment sûre? Je ne serais pas ici si je n'étais pas sûre. La prochaine fois que tu vas essayer de t'en prendre à elle, tu auras affaire à moi. Oh, j'ai peur. C'est une menace. Mm-hmm. C'est une promesse. Bye. Alors, qu'as-tu dit? Il refuse d'écouter tout le monde. Je crois que tu devrais lui parler. Il pourrait peut-être t'écouter. Il refuse d'écouter tout le monde, y compris ton père, le roi. Oui. La reine et toi également. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que le fait d'aller lui parler changera quelque chose? Parce que tu es son ami. On ne perd rien à essayer. Va juste lui parler. Ozioma, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, je suis désolée pour la dernière fois. Je sais que j'en fais trop, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne me rappelle pas d'avoir demandé des excuses venant de toi. Je sais. J'étais juste en train de me rendre chez toi pour qu'on puisse parler.
Ok, tu venais chez moi. Ok, il n'y a pas de souci. Va chez moi. Assieds-toi et attends-moi jusqu'à ce que je revienne dans ce village. Là, on pourra causer. Tu retournes déjà en ville? Tu as un problème avec ça? Non. Oui. Et qu'en est-il de nos projets de mariage? Allez, dégage avec ça. Il est là pour demander quels sont nos projets. Ebuka, s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça. S'il te plaît, attends. Ebuka, s'il te plaît. Mon prince, si vous voulez mon avis, je vous... Garde ta salive, ok? Garde ta salive. Je n'irai pas rencontrer Adani. Pour aucune raison, je n'irai la rencontrer. S'il y a quelqu'un qui doit se déplacer, c'est elle qui doit se déplacer pour me rencontrer ici. Je n'irai pas, même après la mort. Même si parmi les dieux, l'un d'eux descende et que le deuxième descende pour me supplier, je n'irai pas. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi la détestez-vous autant? Vous savez très bien que cette tradition existe depuis très longtemps. Alors pourquoi? Ça, c'est parce que je m'oppose à son supposé pouvoir suprême sur la famille royale. Est-ce que tu imagines? Je suis arrivé chez moi et je n'ai pas vu un seul membre de la famille royale qui m'accueille. Ça a été la goutte d'eau de tout ça. C'était trop. Bien. C'était mal, certes. Mais voyez-vous, cette tradition existe depuis fort longtemps pour que vous commenciez à contester pour un changement maintenant. Écoutez, les anciens, rois, reines, princes et princesses l'ont laissé ainsi. Pourquoi pas vous? Je suis le prince Ejike. J'ai ma tête sur les épaules et les idées bien claires. J'ai pris mon parti et la partie est terminée. Savez-vous que cette décision est sur le point d'affecter mon mariage avec votre sœur? S'il te plaît, fais-le aussi délicieux que l'autre jour. Ah, faites-moi confiance. Mais j'espère qu'il s'est régalé. Oh oui, bien sûr que oui. Il m'a chargé de toujours acheter chez toi. Ah, merci infiniment. Merci. Du poisson. Oui, je vais en mettre. Voilà. Merci. C'est moi qui dois te remercier. Sans problème, monsieur. C'est très bon, crois-moi, je t'assure. Merci. C'est très bon. Merci, monsieur. D'accord, prends soin de toi. Monsieur Mamonet. Oh, désolé, vraiment désolé. J'ai carrément oublié. Je comprends, je comprends. Merci, monsieur. Merci. Mon prince? Ouais. Vous m'avez demandé. Idioma. En fait, je voulais te demander. Cette salade africaine, l'as-tu achetée là où tu prends toujours les autres? Vous voyez, mon prince. Ça, c'est super, ça. C'est super. Combien ça peut coûter, peu importe là où elle est, pour qu'elle apporte ceci au palais tous les jours, en grande quantité? Mon prince, je ne sais pas. Peut-être je dois l'inviter pour que vous puissiez négocier avec elle directement. Il n'y a pas de problème. Amène-la. Amène-la ici, il n'y a pas de problème. Cela ne sera pas possible aujourd'hui, mon prince. Elle doit déjà être rentrée. Donc, tu vas l'inviter demain, c'est ça? D'accord, okay. Mon prince. Ok, il n'y a pas de souci. C'est bon. Encore une chose, mon prince. Ouais. S'il vous plaît, ouais. Souvenez-vous toujours de moi dans votre paradis, vous comprenez ce que je veux dire? Mon paradis? En effet, mon prince. Oh, ce paradis! Il est très important, mon prince. Ok, j'ai compris. D'accord. Mais ce ne sera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais y penser demain. Quand il y aura une plus grande quantité. Pour le moment, je profite. Ok? Mais pour l'instant, je suis désolé. D'accord, mon prince. Merci. Les dieux de nos terres. Lorsqu'un enfant se lave les mains, il dîne avec les anciens.
Je vous salue, Ezedibia. Bienvenue. Que cherches-tu? Le roi veut vous voir au palais. Ma présence au palais n'empêchera pas la calamité de s'abattre sur la famille royale. Répète ces paroles au roi. D'accord, aisément. L'enfant est malade, la mère ne dort pas. Il ne dormira pas non plus. Que sa présence dans le palais n'empêchera pas la calamité de s'abattre sur la famille royale. Que veut-il dire par là? Qu'est-ce qu'il veut bien dire par là? Femme, parle à ton fils. Parle à ton fils. Si tu connais la meilleure façon de lui parler, alors fais-le. Parce que si quoi que ce soit arrivé de mal à mon trône, je le jure, je ne le lui pardonnerai jamais. Mon roi, nous n'en sommes pas arrivés là. Non. Tout ceci a déjà dépassé les bornes. Il les a dépassées. Parle-lui. Parle-lui. De la meilleure façon que tu peux. Éduqué, sauve-nous de cette calamité. De quel malheur est-ce que tu parles? Celle qui va bientôt s'abattre sur nous, si tu refuses de faire ce qu'il faut. Je te demande, de quel autre malheur est-ce que tu parles? Quel malheur peut être pire qu'un roi qui n'a pas le pouvoir de régner? Qu'est-ce qui est pire qu'un roi qui consulte la conscience d'une femme avant de prendre des décisions dans son royaume? Qu'est-ce qu'on appelle malheur? Mais c'est ça la tradition. Nous sommes donc déjà dans le malheur. Nous vivons dans une calamité. Nos traditions sont des calamités. Je ne m'attends donc pas à ce que d'autres calamités arrivent. Éduqué, si tu veux que je me mette à genoux pour que tu fasses bien les choses, que tu fasses ce qu'on te demande de faire, je vais le faire, s'il te plaît. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça. Lève-toi. Alors fais ce que tout le monde te demande. S'il te plaît, assieds-toi. Merci. Le prince sera là dans un instant. Désolé, as-tu besoin de quelque chose? Non, merci. D'accord, je vais appeler le prince. Entrer. Mon prince. Oui. La fille est là. Oh, déjà? Ok. Dis-lui que je serai là dans quelques minutes. D'accord, mon prince. Merci. Reviens ici, reviens. Hey, hey. Oh. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Et toi? Pourquoi est-ce que tu courais dans la forêt comme un animal sauvage? Je ne t'en veux pas. Tu ne peux pas m'en vouloir. Viens, 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 viens. Et où est ton mari de l'étranger? Ou t'aurait-il abandonné? Eh bien, quoi d'autre pourrait faire une femme solitaire comme toi, à part se moquer de celles qui sont mieux qu'elle? Et qui est supérieur à l'autre ici? Tu te rappelles ces moments
où tu racontais partout. Je vais me marier. Je vais partir de ce village. Je vais me marier. Alors, qu'en est-il de cela? Qu'en est-il de cela? Ton visage m'est familier. Ouais. Je me souviens t'avoir déjà vu. Oui. Donnez-moi mon argent. Madame, calme-toi, je te le donnerai ton argent. Je vais te le donner, mais là, je n'en ai pas. Ça, c'est le discours de tous les jours. Lâche-moi, je vais te frapper. Je vais te frapper, tu comprends? Vous voulez m'intimider? Les gens vont bientôt se rassembler ici. Je vais te frapper. Qu'ils se rassemblent comme s'ils vont nous entendre. Je n'ai pas d'argent, tu ne comprends pas? N'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu m'embarrasses comme ça? Vous me devez de l'argent depuis 2 semaines. Je vous ai attrapé aujourd'hui. Donnez-moi mon argent. Giflez-moi. Lâche mon pantalon, mais. Giflez-moi. Lâchez mon pantalon. Donnez-moi d'abord votre montre. J'ai dit, donnez-moi d'abord votre montre. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, monsieur. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Cet homme me donne de l'argent depuis, il refuse de me payer. Ah bon? Il m'esquivait. Aujourd'hui, je l'ai attrapé. D'accord, ok. Je lui ai dit que je n'ai pas d'argent. Mais vous savez manger ma nourriture. Ok, est-ce que tu peux le laisser partir? Non, je ne vais pas le laisser. Oh, s'il te plaît, ne sois pas agressif, t'es une dame, laisse-le partir. Ne l'avez-vous pas entendu dire qu'il allait me battre? Non, il va rien faire. Il me donne de l'argent, il veut me battre en plus de cela. Il va rien faire du tout. Non, laisse-le partir, je ne le laisserai pas. Qu'il me donne mon argent pour que je m'en aille. Je ne vais pas le laisser. Hey, sois pas comme ça, arrête ça, sois un gentleman. Arrête. On parle de combien en fait? 2500. C'est 2500 Naira? Oui. Vous voulez partir? Partir où? Je ne vous reverrai plus. Vous allez fuir. Au gars, je ne lui dois que 2500. Vous. Tu peux donc le laisser partir? Mais il me doit juste 2500. Je veux juste mes 2500. Est-ce que tu peux d'abord prendre ceci et le laisser partir? Merci, monsieur. Tu peux partir. Toi, t'es chanceuse. Vous êtes chanceux. J'allais te donner une bonne chance. Venez me gifler, idiot. Vous êtes chanceux. Regardez-moi ça. C'est idiot. Super. Passez une bonne journée. Désolé, monsieur. Merci beaucoup. Vraiment, merci. C'est toi qui as agressé cet homme l'autre jour. Je veux dire, c'est pas très élogieux pour toi, tu sais. Je sais, mon prince, et je suis désolée. Je ne réagis pas souvent ainsi, mais... Vous savez, cet abattier est ma seule source de revenus depuis le décès de mes parents. Et si je ne me dispute pas avec eux, ils ne me payeront pas. T'es orpheline? Oui, mon prince. Qu'il repose en paix, qu'il repose en paix. Ok. Alors... Voici la raison pour laquelle tu es là. Argali, tu n'échoues jamais. Ne laisse pas ce qui doit arriver se produire. Cette pluie ne tombera jamais sur cette terre. Si nos ancêtres ont échoué, moi je réussirai. Cette fois-ci, tu vas te limiter au succès et ne laisseras jamais cette tragédie se produire dans ce village, Dieu de nos ancêtres. Oui, tu es le dieu de nos ancêtres. Tu nous mènes tous au succès. Argali, Argali, ne laisse pas ceci arriver, hein? Ne laisse pas ceci arriver parce que je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Argali, Argali. Argali, Argali. Eke, Oria. Afu, Nkwa. Aranindibojaliri. Aranindibojaliri. Argali, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que ceci n'arrive pas. Brrr. Tu vas livrer ta salade traditionnelle, ici au palais, 3 fois par semaine. Les lundis, les mercredis et les samedis. Ok. Merci, mon prince. Est-ce que ça te convient, ça? Oui. Très bien. Merci beaucoup, mon prince. C'est un plaisir. Merci. Puis-je m'en aller maintenant? Oui, bien sûr. Merci, mon prince. De rien.
Et Bobé? Papa? Papa, la pleine lune est apparue hier. Qu'est-ce que cela veut dire? Hé, Bobé, tu veux toujours tout savoir. Ok, ça veut dire qu'il est temps de couronner le prince Edike en tant que prince héritier du royaume Ifitani lorsque le roi ira rejoindre nos ancêtres. Papa, peut-on le faire alors qu'il n'est pas marié? Oui, notre tradition le permet. Mais il se doit de trouver une femme au plus tard 21 jours avant son couronnement. Papa, où est-ce que aura lieu le couronnement? Vingt-et-un jours. Je passerai les formations. Tu peux disposer. Merci. Fiston, tu dois te préparer. Vois-tu, 21 jours après, tu seras établi dans la position de prince couronné. Est-ce que Tezemu l'a dit? C'est uniquement la norme. Vois-tu, 21 jours après l'apparition de la pleine lune, le prétendant au trône doit être couronné. Bien. Tes chefs traditionnels ont dit qu'ils ne reviendraient plus ici au palais. Cet événement se fait habituellement dans les marchés et non ici au palais. Alors ils n'auront vraiment pas besoin d'être absents. La pleine lune est mandatée par les dieux. Et c'est la meilleure façon d'affirmer le présumé prince au trône. Ils ne peuvent pas l'arrêter. C'est drôle. Donc, c'était ça le malheur qu'ils avaient prévu pour moi? Oh, ceci n'est pas une calamité, c'est une bénédiction. Voilà, c'est ça. Est-ce que t'as pas l'impression que les dieux sont de mon côté? Ils me soutiennent à cause de ma décision. Comment? Bien sûr, en me couronnant et en confirmant mon statut de prince de ce royaume. Fiston, ne te presse pas de faire des conclusions hâtives. Pas encore. Donc, disons qu'à l'ignorance des gens d'ici, nous devons apporter l'éducation. Je serai le prince héritier et le futur roi. Ok, c'est d'accord. C'est un fait. Mon père a également dit qu'Adani a donné 21 jours. Ça doit se remettre le jour où elle choisira un homme. Hein? Ah ah. Je pensais que c'était le même jour où le prince doit être couronné. Oui.
J'ai demandé à mon père et il a dit « Ce genre de choses n'est jamais arrivé auparavant. » Mais pourquoi ce jour en particulier? Selon lui, il dit que Adani a dit que les dieux ont décidé que ce soit ce jour. Tu connais la bonne nouvelle? Tous les jeunes hommes de ce village viendront, ainsi que ceux qui sont à l'étranger, dans l'espoir d'être choisis. Où est-ce que la cérémonie aura lieu? Ils n'ont pas encore décidé, mais fais-moi confiance. Quand je le saurai, tu seras la première à être au courant. Ok. Attendons. Où est-ce que tu vas avec ceci? Hey, ma sœur. J'ai oublié de te dire. Tu deviens cachetière, n'est-ce pas? Non, non, non. Comment pourrais-je te cacher des trucs? Viens me dire. Le prince adore mon abacha. Il m'a personnellement ordonné de lui en cuisiner et de lui en apporter au palais. Né, qu'est-ce qu'il y a? Bonne nouvelle. Ah. Très bonne nouvelle. Et ce n'est pas tout. La paye est très bonne. Elle est très bonne. Vraiment. Je suis très contente. C'est là-bas que je vais. Genre, tout de suite? Oui. Je veux aller le lui apporter au palais. Allons-y. Tu pourras rentrer à la maison pendant que je m'en vais au palais. Que je rentre chez moi. Tu veux m'accompagner? Ok, allons-y. Pourquoi est-elle toujours la favorite? Pourquoi est-elle si chanceuse d'avoir toujours ce dont j'apprécie? Maintenant, le prince? Non. Je ne peux pas la laisser voler mon rêve. Je dois agir maintenant, avant que ça ne devienne autre chose que du business. Je dois gagner le cœur du prince. Je le mérite. Donc, qui t'a appris à faire ça? Ma grand-mère. Elle devait avoir une grande réputation en faisant ceci. Oui, c'était le cas. Elle était payée pour servir de la bacha à différentes occasions. Oui. Bien, 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 bien. En fait, avec ta façon de cuisiner, crois-moi quand je t'ai dit que l'homme qui t'épouse est un homme très chanceux. Déjà, moi je suis chanceux de manger ça. Donc, quand je parle, je crois vouloir manger ceci tous les jours de ma vie. Réfléchis à ça. Pouvons-nous, s'il vous plaît, parler d'autre chose, mon prince? Ok. Je suis désolé que ce sujet te mette mal à l'aise, ok? Donc, la balle est dans ton camp. Tu veux donc parler de quoi? Ok. Vous viviez à l'étranger, pas vrai? Ouais. Comment est la vie là-bas? En dehors de la bacha? Oui. Ok. Que mangiez-vous? Ah, les repas? Oui. Tout sauf de la bacha. Je vous salue, mon prince. Je vous salue, belle jeune dame de ma communauté. Comment tu vas? Je vais bien, merci, mon prince. Bien. Mais que faites-vous ici? Et comment avez-vous trouvé cet endroit? Beaucoup de questions en un seul temps. Alors, je commence par laquelle? Désolée de vous importuner avec mes questions. Commencez par n'importe laquelle. Bien. Je commence par la question qui est plus importante pour moi aujourd'hui. Ma question, c'est quel jour nous sommes aujourd'hui? Mercredi. Mercredi. Mercredi, c'est le jour où j'ai mon abacha. Donc, je suis venu chercher mon abacha. Mais je vous l'emmène toujours au palais. Quelques petites règles ont changé. Donc, aujourd'hui, je veux mon abacha ici, si c'est possible, dans la marmite dans laquelle elle a été préparée. Mon amour, tu dois être patient envers moi. Aide-moi à supplier ton père de m'accorder un peu de temps.
Tu sais, il faudrait que je retourne cette fois-ci avec ma femme. Et avec tout ce qui se passe, il pourrait perdre patience et me mettre la pression, ce qui pourrait me pousser à envisager d'autres options. Le feras-tu? Tu sais bien que non. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime énormément. Merci beaucoup. C'est une raison de plus pour que tu me donnes encore un peu de temps. Je vais essayer. Ok. Mais s'il te plaît, ne me rends pas les choses plus difficiles. Je ferai de mon mieux. Merci de me comprendre. C'est bon. Tenez. Et où est-ce que tu vas? Je vais vous chercher une cuillère. Ah non, 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 non. Ça, j'en ai plus besoin en réalité. Je pensais que vous vouliez manger. Apparemment, je suis arrivé un peu trop tôt et puis la marmite est encore au feu. Donc, le temps que j'ai maintenant, c'est que tu t'asseyes là et qu'on discute. D'accord, mon prince. Ok, maintenant voilà ma question. Pourquoi, à chaque fois, tu fais la naïve quand je parle de fréquentation entre nous? Parce que je connais ma place. Vous êtes de la royauté et je ne devrais pas dîner avec la royauté. Je vais te décevoir quand je vais dire non. Tu n'y es pas. Ma mère n'est pas de la royauté. Pourtant, elle est la reine. Et mon père n'exige pas que j'épouse absolument une noble. Je vais te surprendre encore plus. Mon père n'a jamais été un fanatique des relations exclusives entre nobles. C'est super de sa part. Mais désolée de demander, mon prince. Pourquoi est-ce que vous me dites tout ceci? C'est que tu me plais. Tu m'as plu la toute première fois que je t'ai rencontré. Et puis, cela a continué quand je suis rentré ici. Tu occupais mon esprit. Après tout ça, encore, quand j'ai goûté à tes délicieux mets traditionnels, et te rencontrer à nouveau m'a fait tomber amoureux de toi. Mon prince, je ne sais vraiment pas quoi dire. Il ne s'agit pas de ce que tu dis, il s'agit de ce que tu fais. Salutations, Adane. Soyez les bienvenus dans mon humble demeure. Adane, nous sommes honorés d'être dans ta présence. Que me vaut cette visite? La pleine lune est apparue et a disparu. La date du couronnement du prince a été fixée. Le même jour, nous avons décidé pour votre cérémonie de choisir un homme. Et ces deux événements sont deux lignes parallèles qui ne peuvent se rencontrer. Oui. Adane, comment allons-nous combiner ces deux événements? J'ai décidé avec les dieux.
que ces deux événements auront lieu au même endroit. Adani, comment ? Au même endroit ? Mes craintes sont devenues tellement réelles pour moi. Alors cette sorcière fait tout ce qu'elle peut pour que le prince soit amoureux d'elle. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Que Dieu m'en garde. Bonjour, ma princesse. Bonjour, Onyema. S'il vous plaît, où se trouve le prince? Y a-t-il un problème? Pourquoi le cherches-tu? Il n'y a aucun problème, mais il y a quelqu'un là dehors qui cherche à le voir. J'imagine qu'il doit être dans sa chambre. D'accord, merci, ma princesse. Il n'y a pas de quoi. Je vous salue, mon prince. Bonsoir. Assieds-toi. Bon. Qui es-tu et que puis-je faire pour toi? Je m'appelle Iboubé. Ok. Fille de Maziokole, membre distingué du cabinet. Impressionnant. Donc, que puis-je faire pour cette fille de l'honorable membre du conseil? Mon prince. Oui. Je ne sais pas comment vous allez réagir. Mais j'ai décidé de prendre mon courage et de venir vous dire la vérité. Ok. J'écoute. Je vous aime. Je t'apprécie aussi. Vous m'aimez? Non, j'ai dit je t'apprécie, comme j'apprécie tout ce qui est autour de moi. J'ai jamais dit aimer. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais me dire? Mon prince. Mon prince, je vous aime et... Et tu devrais arrêter ça. Maintenant, écoute-moi. Je vais être gentil avec toi. Il y a déjà quelqu'un que j'aime. Et tu vois, dans mon cœur, il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre à aimer. Il n'y a plus de place pour aimer quelqu'un d'autre. Ok? Donc, s'il te plaît, écoute ceci. J'admire ton courage, mais sors-toi tout ceci de la tête. Il n'y a plus de place là où nous sommes. Retiens-le. Bonne journée. Comment tu vas? Je vous salue, élu des dieux. Laissez-nous. Ezedibia, je suis très déçue de tes actions dernièrement. Je suis désolé, élu des dieux. J'ai fait de mon mieux. Et qu'est-ce qui empêche les dieux de punir mes adversaires? Ils ont refusé d'agir selon mes instructions. Les choses vont de travers. Qu'est-ce qui va de travers? Tout va mal. Je suis désolé, j'ai besoin d'utiliser vos pouvoirs. Ezedibia, cela veut-il dire que vous avez perdu votre autorité et votre statut?
devant les dieux? Pourquoi la pleine lune a-t-elle apparu? Je l'ai vue venir. J'ai essayé de l'arrêter, mais j'ai perdu le contrôle. Je vois. Eboubé. Ah ah, Eboubé. Qu'est-ce qu'il y a? Tueuse de destinée. Eboubé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi m'appeler tueuse de destinée? Tu t'es dit être mon amie. Pourtant, tu es sur le point de me voler la vie dont j'ai toujours rêvé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Ce que je veux dire. Le prince. Épouser le prince est devenu la reine des Fidani. Eboubé. Tu ne m'as jamais dit que tu aimais le prince. Je ne savais pas qu'il te plaisait. Menteuse. Tu dis que je suis ta meilleure amie. Pourquoi dois-tu me mentir? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que vous sortiez ensemble au lieu de prendre le business comme excuse? Non. Honnêtement, j'allais te le dire. De plus, nous avons commencé à parler de notre relation hier. Shinachu, tu mens. Je ne vais plus jamais te voir près de moi. Eboubé, si non. Si tu me touches... N'importe quoi. Eboubé. S'il vous plaît, laissez-moi y accepter là. Non, ne dis pas ça. C'est impossible. Mais c'est ma meilleure amie. Non, tu peux arrêter ça. Arrête ça. Ne sors plus jamais cette expression de ta bouche devant moi. Ta meilleure amie, elle ne mérite pas ce titre, non. Si elle était ton amie, elle ne se battrait pas contre ce qui est à toi. Je vais te surprendre. Est-ce que tu sais qu'elle est venue au palais aujourd'hui? Essayer de me séduire, moi, pour que je lui fasse l'amour, sûrement. Vraiment? Bien sûr, je te dis. C'est dans cette audace que ta soi-disant amie est. Et pour ta sécurité et ta bonne santé, garde tes distances avec elle. Tiens-toi très loin d'elle. Crois-moi quand je te le dis. Tu es celle que je veux. Tu es celle que j'ai choisie. Et je ferai ma part. Maintenant, souris-moi. Un effort. Donc, je pense que le moment est arrivé pour que tu m'enseignes la bacha. D'accord? Ok, allons-y, après toi. Vas-y. Je vous salue, mon prince. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée. Je sais que vous êtes fâchée contre moi, mais je veux juste... La seule raison qui me met en colère, c'est de voir ton visage ici. Je repose ma question. Qu'est-ce qui t'amène ici? Mon prince, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te le dire. Deux choses. Je ne veux plus jamais voir ton visage traîner autour de ce palais encore. La seconde chose que tu dois retenir, c'est encore une fois. Une fois, tu perturbes Chinato. Je vais rendre la vie désagréable pour toi. Je suis... Encore. Sors. Mon prince, je suis désolée. Sors d'ici. On aura tout vu sur cette terre. Pouvez-vous l'imaginer? Elle compte épouser le prince.
Elle veut être la reine de notre village. Pouvez-vous l'imaginer? Elle a du grand. Ma chère. Attendez, vous avez vu ses cheveux? Ma chère, tu seras sa domestique personnelle lorsqu'elle deviendra reine. Vous êtes folle toutes les deux. Oui, la raison pour laquelle nous sommes ici est au-devant de nous. La puissante élue des dieux. Adani. Avant de procéder au couronnement du prince, nous allons d'abord exaucer son souhait, qui est de choisir un homme. Je prie donc Adani de faire son choix. Je choisis celui-ci. Quoi? 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 Reste à ta place. Tu es malade. Ça va pas bien. T'as bu avant de venir ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ne me touche pas. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire quoi tout ça? Père, c'est quoi cette insulte qui nous est faite? Non! J'ai été très méprisé. Ouais, tu peux partir. Va-t'en d'ici. On n'a pas besoin de toi. Non, mais c'est quoi ça? Hé, toi, tu restes à ta place, ok? Toi, on y va. De toute façon, j'ai pas besoin de son accord. J'ai pas besoin de ça. Père, mère, Onohu, faisons la cérémonie. Ezemo, faisons le couronnement comme il se doit. Pourquoi est-ce que vous perdez du temps? Vous désobéissez à la pleine lune? C'est ça? Vous voulez que les dieux se retournent sur vous? Allez, faisons le couronnement. Oublions cette femme. Par les pouvoirs qui m'ont été conférés en tant qu'Onohu de ce royaume. Voilà.
femme. Où est le prince? Ma chérie, pourquoi ces larmes? Mais elle t'a choisi. Et moi, je t'ai choisi. Nos avis importent peu. Au contraire, c'est ce qui importe. Fais-moi confiance. Écoute, contrairement à ce qu'on pense, ce sont nos choix qui importent. D'accord? Je suis un homme. Et je suis un adulte. Je fais mes propres choix. Et mon choix, c'est toi. C'est une déesse. Une divinité vivante. Nous ne pouvons pas lui dire non. C'est ce qu'elle nous faisait croire. Maintenant, les temps sont révolus. Est-ce que les choses doivent rester pareilles? Non. Mon choix, c'est toi. J'ai peur. Ne le crois pas. Je t'ai choisi, toi. C'est toi que j'ai choisi. Il a osé me rejeter en public. Adani, s'il vous plaît. Nous sommes désolés. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Il a réveillé la lionne qui sommeillait. Et j'infligerai une misère inoubliable à ce royaume. Si dans 3 jours, il ne change pas d'avis. Je vous en prie, grande déesse, je vous en prie. Nous allons nous rassurer qu'il change d'avis. Nous allons tout faire pour le persuader, je vous en prie. S'il vous plaît. Dans 3 jours. Sinon, Ifitani connaîtra une telle chaleur que tout être vivant ne pourrait le supporter. Adani, écoutez. S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à nous. Ayez pitié. Pardonnez-le, du moins pour l'amour de la génération à venir. S'il vous plaît. Onowu, alors faites le nécessaire. 3 jours. 3 jours. 3 jours. Ezedibia, c'est assez difficile ce que tu demandes. Car tu sais très bien ce que cela signifie pour moi. Ça veut tout dire. Ça veut simplement dire la fin du règne de ma lignée. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre des traditions que vous avez choisies de protéger votre majesté. Ezidibia, tu as raison. Mais y a-t-il un remède? Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire pour éviter ceci et faire que la plaie disparaisse? Je veux dire, qu'on ne pourra assez rien. Votre Majesté, attention à vos paroles. Avant d'inciter la colère des dieux, le choix d'Adani n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. C'est un bonheur pour toute famille qu'elle choisit. Ezidibia, la bénédiction pour une personne peut être une malédiction pour une autre. Maintenant, dis-moi, perdre un royaume, perdre un trône qui m'a été confié par mes ancêtres, est-ce une malédiction ou une bénédiction? Il a été choisi et il se doit de répondre. Adani a donné 3 jours. Sinon... Et Bobé? Oui, papa. À voir ta sauce, on dirait qu'elle a l'air très bonne. Merci, papa. Papa, pourquoi est-ce que le roi désapprouve le choix d'Adani?
Parce que cela lui coûtera sa tête. Et le trône des Fitané quittera la lignée royale. Le prince mourra? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce qui se passe, c'est que toute personne qui marie à Danée va quitter la maison de son père et ira habiter avec elle. Et cette personne va perdre tous ses droits traditionnels. La richesse de son père, le trône, entièrement tout. Alors tu peux comprendre pourquoi le roi n'est pas content. Wow. Alors si le prince épouse Adané, il n'aura plus jamais d'héritage. Je suis contente pour ça. Hé, Boubé, tu es contente à propos de quoi? Non, rien. J'ai dit que j'étais triste. Hé, Boubé. Papa. Hé, Boubé. Papa. Fais très attention. Ok, papa. Surtout, je ne veux pas que tu t'approches de cette famille. Ha! Fais attention. Toujours en train de me faire parler, même quand je mange. Je me suis plaint. Je me suis lamenté. J'ai élevé la voix à cause de l'extrême pouvoir donné à cette femme. Donné à cette idiote. Maintenant, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que vos yeux sont ouverts maintenant? Hein? Père, écoute, nous sommes la famille royale. Le changement commence par nous. Ça doit changer. Père, tu dois décider. Père. Père, parle. Tu vois, le roi n'a rien à dire. Mais moi, j'ai à dire et je vais parler. Je ne vais jamais épouser cette idiote de femme. Jamais. Elle menace tout le royaume entier. Je m'en fous. Ça veut simplement dire... Tu règnes. Je m'en fous. De mal ligné. L'homme dont la maison est en feu ne va pas à la chasse au rat. Dis-moi, quelles sont tes résolutions? Qu'est-ce que tu comptes faire? Mes mains sont liées. Je suis au milieu de tout ça. Je ne peux pas combattre une tradition que je protège. Alors, ce que tu voudrais dire, c'est que nous devons laisser le prince épouser Adani et quitter le palais? Ma reine, peu importe la décision qu'il prendra, c'est bon. Et je ferai tout ce qui est possible, tout ce qui est à mon pouvoir pour rester loin de lui et de ne pas influencer sa décision. Oui. Mon prince, tu dois absolument sauver ce royaume. Je ne laisse ça à personne. Je ne veux pas être la cause de la souffrance de ce royaume. Tu ne le feras pas. On peut traverser ça. On peut traverser ça à deux.
Je suis faible. Je n'ai pas la force pour me lancer dans cette bataille. Alors laisse-moi être ta force. Je serai fort pour nous deux. Comme je l'ai dit, on peut traverser ça. J'ai peur. Ne le sois pas. Je vais te protéger. La foi et l'amour nous protégeront. N'aie pas peur. Ah, Dani, je t'en prie. Faites un autre choix. Il est l'héritier au trône. Je n'ai pas d'autre fils. Il n'y a personne d'autre pour régner après moi, je t'en prie. Mon bonheur passe avant le trône. Je n'en dis ce qu'on vient absolument pas. Mais mes ancêtres seront vraiment très déçus de moi si jamais je laissais tomber le trône qui m'avait été donné. Si jamais je le laissais me filer entre les doigts. Je t'en prie. Le prince est mon choix. Et il n'y a pas de retour en arrière. Il sera à moi. Ok. Mais je vous en prie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, étendre votre grâce? L'Éphitanie n'a plus que 2 jours. Sinon, le peuple verra ce qu'il n'a jamais vu. Ce royaume périra si jamais tu ne changes pas d'avis. Laissons-le périr. Laissons tout le monde mourir, laissons tout le monde périr, Éphitanie, et que chacun devienne plus intelligent en voyant tout ce qui se passe. Personne ne sera intelligent tant qu'ils n'ont pas vu ce qui se passe. Ouais, laissons tout le monde mourir, tout le monde. Tu ignores comment cela peut être violent. Sauve-nous, sauve ce royaume. Ce qui doit te préoccuper ici, c'est que le royaume doit se sauver lui-même de l'injustice. C'est de ça dont il faut parler et c'est de ça dont tout le monde doit parler. Tu n'as pas peur de la mort. Pour les hommes, le destin veut que la mort vienne une fois. Et c'était bien. Y a-t-il rien que tu puisses faire? Il n'y a rien que quelqu'un puisse faire. Attends. Tu peux convaincre Adani de nous donner plus de temps. Il n'y a que les mouches qui accompagnent un cadavre à la tombe. Va donc convaincre le prince. Oh, cela sera très difficile. Très, très difficile. Ezedibia, tu sais à quel point ce garçon peut être entêté. Comment vais-je le convaincre? Notable, je vais te le dire catégoriquement. Il serait plus facile de convaincre le prince que de s'attendre à ce que Adani change d'avis. Elle a accepté la première humiliation que lui a faite le prince. Elle ne le tolérera plus jamais. Jamais! Hey! Le royaume des Fitan y est foutu. Foutu! Icha Amade. Icha Adogonu. Ase yobetra yobetren. Icha Amade. Nos terres sont maudites. Nous sommes sur le point de subir une tragédie. Je prie juste qu'il n'y ait pas de décès. C'est également ma plus grande crainte. Pas seulement pour ma sécurité, mais pour les jeunes gens. Qu'avons-nous fait pour mériter ceci? C'est la même question que je pose aux dieux tous les jours.
C'est la même question. Maintenant, je me demande si Ada Ani est une malédiction ou une bénédiction pour Efita Ani. Confie à quoi? À Dieu ne plaise, Ichi Amade. Comment oses-tu proférer de telles abominations? Comment oses-tu dans ma concession? Si tu veux dire de telles choses, alors tu ferais mieux de partir. Je suis désolé, mais... Je ne voudrais plus t'entendre dire ce genre de choses. Non, mais qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Un ancien comme toi. T'es censé ne jamais dire ce genre de choses. Ne sais-tu pas ce que représente Adané? Comment oses-tu? Je crois que tu ferais mieux de partir avant que tu ne commences à dire des bêtises qui vont contaminer ma concession. Mais est-ce que tu es en train de me chasser? C'est mieux que alors... tu t'en ailles. C'est mieux que tu partes. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Je m'en vais. Un ancien de ton rang qui continue à dire des bêtises. Hein? Non, mais c'est quoi ça? Tu ne parviens pas du tout à contrôler ta langue. Non, mais tu t'imagines?
Lève-toi! Élu des dieux. Amy, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Je ne suis qu'une simple orpheline. N'aie pas peur. Ne dors pas sur ta destinée. Chinato, fille de Okuma. Vous me connaissez? Et mon père également? Ton existence est un mystère pour les hommes. Un rêve pour les immortels. Tu es favorisé. Mais que dites-vous? Viens avec moi. Mon nom est Ijele. Appelle-moi Ijele. Viens. Ouvre. Chinato. 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 Vous n'avez pas répondu à toutes mes questions. Parce que je n'ai pas la réponse à toutes tes questions. Vous êtes un spiritualiste. Si vous ne pouvez pas me répondre, alors qui Annie, le fera? C'est la seule qui puisse te donner des réponses. Qui est Annie? Ton père ancestral. Mais il est mort. Cela veut-il dire que mes questions n'auront jamais de réponse? Tu peux toujours communiquer avec lui. Ceux qui prétendent parler avec lui n'ont jamais entendu sa voix, ne serait-ce qu'une seule fois. J'arrive. À mon retour, le processus pourra commencer. Éduqué, nous n'avons plus qu'aujourd'hui. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Oh, s'il te plaît, parle-moi d'autre chose. Écoute, je t'ai appelé pour me plaindre de ma femme. Je suis allé la voir et je n'ai trouvé personne. Après demain, ce royaume risque de ne plus exister. Cela devrait être ta préoccupation majeure. Tu crois vraiment que je me préoccupe de ce royaume maintenant? T'as cette impression? Regarde-moi, regarde mon visage. Tu crois vraiment que je ressemble à quelqu'un qui se préoccupe de ça maintenant? Je me préoccupe de ma femme. Je me préoccupe de son état. C'est en elle qu'est le futur. Il n'y a pas de futur. Si jamais nous tous nous devons mourir, il n'y aura aucun futur. S'il te plaît, sauve-nous. Finalement, je pense que vous êtes tous, ma famille, une bande d'ingrats et d'injustes. Tous. Vous êtes tous ingrats. Vous ne vous préoccupez pas de moi ou de mon bien-être, mais de vous. Vous vous souciez de la raison pour laquelle vous allez vivre demain. Et non pas de mon bonheur, et non pas de ma place dans la vie. Et en même temps, vous pensez que ce bien-être repose sur moi.
Donc, écoute-moi maintenant. Chacun de vous doit préparer sa vie après, parce que moi, je ne vais jamais, 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 jamais épouser Adani. Ils l'ont rendu aveugle. Qui sont-ils? Demain, Efitani subira la ruine. Y a-t-il quelque chose à faire pour éviter ce désastre? Demain, quiconque aura semé le mal le récoltera. Je suis confuse. Je n'ai pas les réponses à tes questions. Dans ce cas, qui les a? Adani. De ma communauté? À l'aide, s'il vous plaît, à l'aide. Papa, réveille-toi. Papa, hey, je vais faire. Papa. Papa, je t'en prie, papa. Papa, réveille-toi, je t'en prie. Papa, réveille-toi. Oh. À l'aide, je vous en prie, à l'aide.
Hey! Que se passe-t-il? Est-ce la calamité dont parlait Adani? Hey! Non! Ma femme! Ma fille! Ma famille! Ma femme! Hey! Ma femme! Ma femme! Ma famille! Ouais. Bien sûr. Les choses ne changeront pas dans cette terre tant qu'ils n'auront pas fait des preuves. Oui, je suis là. Je suis là. Tu vois maintenant? Je vous rappelle. Je vous rappelle. De quoi est-ce que tu parles? Éduqué, tu vois ce que tu as causé? J'ai demandé de quoi est-ce que tu parles. La colère de Dieu s'est abattue sur Léphitane à cause de ta tétutesse. En plus, depuis quand est-ce que tu entres dans ma chambre quand tu veux? Et ma deuxième question c'est, depuis quand est-ce que tu as ces manières devant moi? Hein? Maintenant, est-ce que tu peux te calmer et me dire exactement de quoi est-ce que tu parles? Adani, je t'en prie, je vous en prie, usez de la miséricorde au lieu de la justice. Ayez pitié de mon fils, je vous en prie. Je vais lui parler de nouveau. Il sera là très bientôt. Il vous épousera, je vous en prie. Non! Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu de ne pas réveiller ma colère, mais vous êtes imposteur, ton heure a sonné. Qui es-tu? Chinatu, fille d'Okuma et descendante d'Ani. Tu mens! Tu connais la vérité. Tu sais que tu n'es pas la d'Ani. Ta famille a conspiré avec le grand prêtre pour me voler mon statut. Tu es allé jusqu'au point d'acquérir des pouvoirs des nains des collines de Wara pour protéger ta place et ainsi aveugler les dieux. Et tu as continué à jouir de beaucoup plus de pouvoir en ta position d'Adani, de façon à faire passer la famille royale en second plan contre la volonté des dieux. Ceci est un blasphème et je te le ferai payer. Si j'étais toi, j'abandonnerais. Ezedibia est mort. Et ceux-ci tomberont avec toi si tu ne te laisses pas faire. Non! Non! Je ne te laisserai pas prendre ma place. Jamais! Je te laisserai... Mmh.
C'est pas vrai. Adani. Adani est tombé. Adani est tombé. Elle est debout. Adani. La Dani n'a jamais été faite pour gouverner, mais pour être la protectrice spirituelle du roi. Le devoir principal d'une Adani est de protéger le roi et de protéger le royaume. Toutes mes condoléances à tous ceux qui ont perdu les gens qu'ils aimaient. Parfois, des sacrifices doivent être faits pour récolter le succès. Aujourd'hui, les Fitani reviendra dans les normes. Il sait.